C'est ça ? Bonjour. Bonjour, ça va ? Mais qu'est-ce que c'est que ces personnes ? Oh ben, ce sont les voisins. Coucou ! Je vous apporte une tarte aux pommes. Alors, il faudrait la faire réchauffer avant de la servir. Et sinon, est-ce que vous auriez de la crème fraîche ? Je sais pas, peut-être. Ah, bah, attendez, je vous accompagne. Hein ? Non, on fera combien ? Oh, une petite trentaine. Nathalie ! Bonsoir ! C'est vrai, on vit dans le même immeuble, mais on se connaît même pas, c'est dommage. Ouais, on se croise, on se parle pas. Voilà la différence. Vous ne trouvez pas, Michel ? Vous auriez des serviettes en papier ? Je cherche des serviettes en papier. Oui, je vais chercher ça. C'est une initiative citoyenne. Exactement, les gens sont tellement seuls aujourd'hui. Et pauvres. Ouais, c'est un véritable fléau, la solitude. Des chips ? Ah non, non, les enfants, attention avec les chips! Non, les enfants, faites attention, là! Il les écrase! T'aurais pu prévenir, tu comptais. Non, non, merci. Oh, juste une petite part, faut goûter. Mais crois pas que ça a été facile pour moi. Pendant toutes ces années, j'en avais mal au ventre. J'étais déchiré. Parce qu'au fond, Michel, je t'ai toujours considéré comme mon meilleur ami. Tu sais quoi? Je crois que je vais retourner voir mes invités. Non, mais attends, je voulais aussi te parler d'autre chose. C'est un peu pour ça que je suis passé. Je t'ai dit que j'étais sur une piste. Enfin, j'ai passé un entretien le mois dernier, je te l'ai dit. Alors, ça s'est très, très bien passé. Puis bon, au dernier moment, avec la crise, tu vois, ils ont changé de stratégie. Donc, du coup, je me retrouve dans une situation un peu difficile ce mois-ci. Et je m'étais dit que peut-être tu pourrais, comme un. Il ose. Un ami. Non, mais il ose, hein, il ose tout. Quoi ? Il te prend ton fils, ta femme, mais il s'arrête pas là, il te prend aussi ton fric. Ouais, Michel, je te rembourserai. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Mais je te rembourserai, Michel ! Vous cherchez quelque chose ? Oh, Michel, pardon, je regarde votre collection. Oui. C'est impressionnant, hein ? Je savais pas que vous étiez mélomane. Oui. Vous pouvez avoir des choses incroyables. Ça, c'est quoi ça, par exemple ? Non, attention, parce que pour la plupart, ce sont des pièces rares. Ce sont des éditions originales, c'est très fragile. Vous voulez pas nous faire écouter quelque chose ? Hein ? Mais parmi tous vos disques, là, faites-nous écouter quelque chose d'original. Maintenant ? Ben oui, pourquoi pas ? Ça serait bien, non ? Ça mettrait un peu d'ambiance. Vous savez, ce sont des disques assez pointus. Justement, faites-nous découvrir quelque chose que vous aimez particulièrement. Écoutez, j'ai juste de dénicher quelque chose d'incroyable. Enfin, je suis pas sûr que ce soit bien adapté à la situation. Ça me ferait vraiment plaisir d'écouter. C'est celui-là ? Oui, c'est un album mythique qui avait complètement disparu de circulation. Regardez, parce qu'il faut que l'on vous entende. Hein ? Non, c'est pas la peine. Un instant d'attention, s'il vous plaît. Merci. J'en ai juste pour une seconde. C'est pas... Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Michel et Nathalie de nous avoir accueillis à la dernière minute. Hein ? L'entraide entre voisins est une notion clé. Et alors maintenant, je passe la parole à Michel qui a une surprise à nous faire écouter. Non. Mais si. Alors, c'est un album rare, c'est ça ? C'est celui-là, je crois. Oui, en effet. Oui. C'est vraiment un album passionnant que j'ai découvert par hasard. Oui. Passionnant. Pardon ? Non, j'ai dit passionnant. Il y a plus passionnant, quand même. Hein ? Non, je sais pas, vous n'auriez pas quelque chose d'un peu plus, pétillant Enfin, pour quelqu'un qui aime la musique et plus particulièrement le jazz, je vous certifie que c'est un album vraiment passionnant. Ah oui Il faudrait que je l'écoute, ça remonte à loin quand même, donc... Quoi, cet album J'écoutais ça quand j'étais adolescent, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Bah, vous devez confondre, alors ça c'est un album vraiment rare. Me, Myself and I. Oui, en effet, c'est le titre. Enfin, je vous dis que vous devez confondre parce que c'est un disque introuvable. Neil Ward. Non, arrêtez, franchement, c'est vraiment la tarte à la crème. C'est le cliché du jazz pour amateurs. Il y a erreur, là. Pas du tout. Bah si, vous devez confondre. Non, je vous dis que vous confondez, là, voilà. Parce que là, on est en haut, là. Là, on est au sommet, là. On est au top du sommet, du top de la musique, voilà. Mais je vois même pas pourquoi je parle de ça avec vous, parce que manifestement, question musique, vous n'y connaissez rien, hein. Non, quand on ne sait pas, on écoute. Hein? Est-ce que je vous parle de la Pologne ? Je vous parle de la Pologne ? Pourquoi vous vous énervez ? Mais parce que manifestement, vous n'y connaissez rien en musique ! Mais voilà. Calme-toi, mon chéri ! C'est vrai, c'est pas la peine de se mettre dans cet état, franchement. Je disais simplement qu'on aurait pu mettre quelque chose d'un peu plus dansant. Dansant ? Oui, dansant, oui. D'ailleurs, j'en ai repéré un, vous allez voir. Laisse faire s'il en a envie ! Y a pas que ni yaourt dans la vie ! You are, ma chérie, pas yaourt, you are ! Je suis sûre qu'elle va vous pardonner. Vous pensez ? Mais oui.
Si vous étiez dans cette situation, si une de vos amies couchait avec votre mari, vous pourriez lui pardonner? Ça risque pas de m'arriver, hein. Mon mari est mort. Ah oui, pardon, oui. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle de la vraie musique. Voile sur les filles, marche sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, Alexandrie.